Bonsoir mes amis Lion et ascendant Lion, voici votre tirage que vous attendez avec impatience pour le mois de février, aussi bien d'une manière générale, professionnelle ou sentimentale. Je vous remercie déjà par vos partages et vos j'aime et vos commentaires parce que c'est grâce à ça que cette chaîne SOS Medium existe. Donc SOS Medium, c'est le nom de mes deux cabinets que je suis située dans le sud de la France, pas très loin de Montpellier. Et mon nom de voyante, donc ça dépend les sites, ça peut être Sophie ou ça peut être Vega. Voilà, tout est indiqué en bas de cette vidéo, vous trouverez toutes les sources Instagram, TikTok, etc. Voilà, je vous remercie juste de partager parce que c'est grâce à ça que la chaîne se fait connaître et je n'en tire pas les bénéfices financiers comme certains peuvent en tirer. Voilà, je fais les choses avec le cœur et pas forcément pour l'argent. Voilà, donc je vous donne cette guidance pour le mois de février. J'espère, Lion, qu'elle vous plaira, qu'elle vous séduira et qu'elle vous correspondra en tout cas. Voilà, donc avant toute chose, peut-être qu'elle ne correspondra pas à tout le monde. Et voilà, ne me fusillez pas au poteau parce que des fois ça ne peut pas correspondre. Voilà, vous me faites un petit commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Et voilà, allez, bon en tout cas, bon mois de février pour vous les amis Lion. On débute avec votre signe et je vais débuter par donc l'oracle bleu. Voilà, donc déjà, j'utilise cet oracle pour m'appuyer sur les messages. Et je vais capter. Hop, ben déjà, il y en a un qui saute. Est-ce que j'ai d'autres messages pour vous? Oh là! Écoutez, les quatre sont sortis. Donc, je pense qu'il y a des nouvelles qui arrivent rapidement pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la montagne, la cure et le côté volontaire. Donc, je pense qu'à certains lions, peut-être qu'il y a cette idée de partir en cœur en montagne, en tout cas, ça serait un moment propice pour vous pour partir et en tout cas aller en montagne pour aller mieux. Donc peut-être qu'il y a le ski aussi. Il y a un nouvel horizon, on parle quand même de quelque chose de volontaire, donc on veut aller de l'avant. Donc peut-être qu'il y a cette notion de pouvoir, de motivation, aller de l'avant sur quelque chose de nouveau. Donc, peut-être nouvelle relation aussi, nouvelle conquête, nouvel projet professionnel, nouvelle envie au niveau de la famille. Mais en tout cas, on dit qu'on s'élève. Voilà, on s'élève vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous et quelque chose donc de très intéressant. Le deuxième message maintenant. Ben, le deuxième message concerne l'homme. Donc, les jeunes hommes, peut-être Lion ou en tout cas peut-être leur ascendant. Et on vous demande donc, il y a un côté peut-être nouvelle rencontre avec quelqu'un de plus jeune que vous. En tout cas, si vous êtes des adolescentes au Lion, vous allez rencontrer une personne jeune comme vous, donc peut-être adolescent aussi. On parle des Lions qui a peut-être une différence d'âge. Voilà, on parle aussi de différence d'âge dans une relation sentimentale. Et on verra par la suite qu'est-ce qu'on a comme détail. Ah, donc on dit qu'on repart à zéro avec une personne plus jeune qu'elle, voilà. Pour moi, il y a eu une séparation où on a vécu un moment très difficile auparavant parce qu'on dit que le monde s'est effondré. Voilà, il y a peut-être ça entre 6 ans et peut-être 12 ans en arrière ou 6 mois et 12 mois en arrière. Voilà. Il y a quand même quelque chose où la terre s'est carrément dilatée sous vos pieds, mais malgré tout, même si vous repartez à zéro, vous repartez sur quelque chose de nouveau avec cette volonté. Vous voyez, il y a quand même ce choix de refaire peut-être, de se reprendre en main. Le quatrième message, c'est l'espoir. Donc, les sentiments sincères. Voilà. Donc, ce qui voudrait dire que même si par la suite, il y a une relation sentimentale qui s'est terminée ou qu'il y a une rupture compliquée, on dit que malgré tout, il y a un nouvel amour pour vous. Quelque chose de nouveau, de renaissant. Et on a quand même l'espoir. Donc, je dis que c'était entre janvier et juillet. Mais il y a quand même de ce sentiment où on repart quand même un petit peu à zéro. Et c'est quelque chose de bon. Voilà.
Je pense que ça se passera plutôt en soirée. Voilà. Alors, on dit que après des intrigues familiales, il y a un jeune homme de la famille qui part peut-être en campagne travailler. Voilà. Peut-être un enfant qui vous donne quand même un petit peu de fil à retordre. Et là, ben, cette personne s'en va. Voilà. Alors, il y a des lions peut-être, il y a des concrétisations. On dit qu'il faut boire un peu plus d'eau, mais il y a des concrétisations aussi au niveau de l'aspect familial. Donc, il y a bien cette concrétisation de nouvelles relations pour vous. Voilà. Beaucoup de bonnes nouvelles qui vous amènent de l'émotivité. Pour certains lions, on dort mal. Voilà, les tracasseries par rapport à un enfant vous fait que vous dormez mal sur ce mois donc de février. On dit que vous dormez mal parce qu'il y a une personne que vous avez du mal aussi à oublier, puisque c'était peut-être fusionnel entre vous, et vous étiez quand même un peu dépendante. Et voilà, donc pour moi, il y a quand même cet aspect de nouveauté. Voilà, on parle d'écriture. Donc, il y a des lions, peut-être des lionnes qui vont se mettre peut-être... Alors, peut-être c'est des écrivains, hein, peut-être on écrit des chansons, peut-être qu'on est dans l'art aussi, il y a cette notion de musique. Alors, peut-être que vous étiez sorti avec un musicien ou quelqu'un en tout cas qui avait un talent d'écriture et de musique et que ça vous a complètement effondré. Moi, je dirais qu'il y a eu peut-être une séparation entre avril et septembre. De l'année dernière ou quelque chose comme ça et que ça vous a un petit peu perturbé. Voilà. On dit que vous êtes une personnalité quand même bienveillante, ça. Ok. Et on parle de festivité. Donc bientôt, il y a la fête. Hein. Allez, bientôt il y a la fête. On va amuser quelque chose. Et on parle de multiplication de double vie. Donc je pense qu'il y a des lions qui ont souffert peut-être de cette double vie ou peut-être il y a des beaucoup de il y a beaucoup de monde là où vous allez aller, hein. Voilà, il y a beaucoup de monde, hein. Voilà, donc on va multiplier justement les fêtes, les anniversaires, les sorties, voilà, sur ce mois en tout cas de février. Ça c'était pour l'oracle bleu. Nous allons compléter ce tirage lion par le tirage du tarot de Madame Indira. Allez, on y va pour savoir quels sont ceux qui viennent à vous pour ce mois de février. Bon, on parle de la Dame de cœur. D'accord, Dame de cœur. Donc, ça va aussi bien au lion qu'au lion. Hein. Donc, lion, rencontre féminine, si vous êtes lionne, avec une autre personne, notre dame. Voilà, donc là... On parle d'un triomphe, d'épanouissement, de la joie, de la rapidité dans le cœur. On est vraiment dans l'amour. Voilà, c'est un très, très, très beau tirage sentimental. Et pour moi, il y a quand même de la réjouissance. On reprend du fil de la bête. Là, c'est une année d'énergie et de pouvoir. Voilà. Bon. Alors, on dit qu'attention, par rapport à un déplacement... pour moi, il y a un côté maladie. Alors, soit on se déplace par rapport à quelqu'un qui est malade, et apparemment, ben, vous êtes contente de vous déplacer vers cette personne, peut-être pour lui rendre visite, mais même vous êtes quand même un petit peu souffrant. Alors, attention sur ce déplacement quand même à venir. Voilà. Bon, il y a de l'argent. Donc, on va vers un homme brun. Donc, pour moi, il y a un homme brun qui aussi peut-être a des tracas. Voilà. Bon, nouvelle financière, donc il y a des finances quand même qui rentrent pour vous ce mois de février. Ouais, on parle d'un équilibre financier. Oh, ben il y a de l'argent. Là, il y a du pognon qui rentre. Hein. Voilà, moi pour moi, alors peut-être qu'il faut jouer au jeu, hein, parce que là, il y a beaucoup d'argent. Pour moi, sur ce mois de février, on dit qu'il faut jouer. Il faut jouer un petit peu au jeu de hasard, les lions. Voilà, il y a des épreuves au niveau de l'argent, mais vous... Alors, pour moi, il y a... on va vers l'eau, on fait un déplacement à l'eau, vers une personne qui a des problèmes de peut-être de santé.
Et par rapport à ça, ça va parler quand même argent. Donc, soit on y va pour discuter argent, comment. On dirait presque que ça fait comme si quelqu'un de la famille demandait à des lions, dis donc, comment tu as fait toi quand tu as perdu tes parents, comment tu as fait au niveau de l'argent, comment le notaire il a fait, comment ça s'est arrangé à famille. Voilà, j'ai l'impression qu'on se déplace et que la préoccupation première, elle est financière. Donc, il y a quand même de l'argent sur lequel on va devoir parler. Voilà. Et voilà, vous voyez, encore une fois, ça parle au pognon. Donc, dépenses, engagements, peut-être des complications par rapport aux financiers. Donc, ce déplacement va coûter de l'argent, hein, quand même. Hein. Donc, vous y allez pour vous épanouir parce que cette personne est malade. Et là, il y a l'homme quand même des finances. Hein. Le trèfle, c'est quand même l'argent. Mais malgré tout, ça va discuter argent. Donc, les taureaux, faites attention, le déplacement, on risque peut-être soit de vous demander de l'argent, soit de vous poser des questions par rapport à ça. Par exemple, si vous êtes veuf, ben, comment ça s'est passé pour la pension de réversion? Est-ce que vous avez eu plus, moins? Voilà, c'est ça surtout. Voilà. Bon, là, on parle d'enfants, hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Peut-être on voit mieux. Je vais essayer de clarifier un petit peu la lumière là, parce que ça me semble un peu trop. Voilà, peut-être d'une autre couleur aussi. Voilà. Ou alors tamiser. Tamiser, c'est pas mal aussi. Voilà, allez. Donc il y a des enfants par rapport à la famille qui vous causent problème. Hein. Des enfants qui vous font souci sur ce mois de février. Alors là, je passe avec l'oracle, les anges de l'amour. Voilà, c'est un tarot. Amour non réciproque. Donc, je pense qu'il y a des ados peut-être qui sortent ensemble, mais je pense qu'il n'y a pas assez d'attrait physique ou chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, si vous êtes des jeunes ados et que vous êtes lions, votre relation ne durera pas. Que vous soyez fille ou garçon, cette relation ne durera pas. On dit que c'est un amour enfantin. Donc peut-être que c'est une personne que vous avez connue pendant l'adolescence, que vous retrouvez, mais c'est qu'une chimie, c'est-à-dire que l'amour ne sera pas réciproque. Donc je vous demande, les lions, sur ce mois de février, de faire un petit peu attention par rapport à ça. Parce que voilà ce que vous allez avoir, il y aura une séparation. Ben oui, l'amour n'est pas réciproque, donc forcément on va... Voilà, on dit que le partenaire va s'éloigner au fur et à mesure parce que peut-être il a moins d'amour pour vous ou que vous, vous avez moins d'amour pour lui. Voilà. Par contre, vous avez un nouvel amour qui vous attend. Donc, il y a un nouvel amour. Et je pense effectivement que c'est quelqu'un plus jeune que vous. Voilà. Donc, il y a renouveau sur la relation sentimentale, mais avec quelqu'un de plus jeune que vous. Voilà. Et pour l'instant, on traite les problèmes familiaux. Voilà. Donc, on traite les problèmes familiaux et on dit à certains enfants de demander pardon à leurs parents. Voilà. Et on dit qu'il y a une synchronicité et que vous avez attendu le moment prêt. Alors, autre chose. On dit, on vient de m'envoyer un message qui est un flash qui est lequel qui dit on a attendu que les enfants soient grands et élevés, là, pour pouvoir ressortir ensemble. D'accord ? Cette personne est peut-être votre âme sœur. C'est quelqu'un que vous arrivez à... Voilà. Pour moi, il y a quelque chose. Peut-être que vous êtes mal mariée aussi. Hein, et que vous avez attendu que les enfants grandissent pour donner un nouvel attrait à votre couple. Hein, voilà. Allez, une septième. Bah, la tromperie. Hein, vous êtes trompé de partenaire. Et je pense que ben, y a eu la tromperie. Hein. Vous êtes allé voir ailleurs parce qu'on n'était pas bien assorti. C'est tout. Voilà. Faut se le dire. Hein. Allez, on va avoir nouveau tirage. Et on va terminer. Donc, c'est le tirage du mois de février. Encore, je vous remercie de me suivre. C'est grâce à vous que j'existe. Donc, si ça vous plaît, ben, tant mieux. J'en suis ravie. Sinon, ben, tant pis. Hein. Voilà. C'est un tirage
comme je dirais, à faire avec le cœur. Hein. Voilà, si vous voulez une guidance, en tout cas, un peu plus détaillée, ben, vous le faites savoir. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour vous, on parle de solitude et de stérilité. Donc, actuellement, peut-être vous êtes dans un échec, ou en tout cas, il y a quelque chose qui n'arrive pas au niveau sentimental. Donc, encore une fois, il faut peut-être faire un petit peu attention par rapport à ça. Autre chose, on dit que vous allez vers l'eau. Donc là, il y a bien une distance géographique que vous allez faire pour aller au bord de l'eau. Alors, quand je dis au bord de l'eau, ça peut être l'île, la Bretagne, Bayonne, Nice, la Corse, etc. Mais là, on va vers quelque chose. On dit qu'au niveau des finances, il y a des problèmes, il y a des hauts et des bas là. Au niveau général, au niveau des finances, on dirait qu'on n'arrive pas à gérer l'argent. On essaye peut-être de débloquer la situation au niveau de cette finance, mais je n'ai pas l'impression que la banque soit d'accord. Voilà. Donc, au niveau des finances, faites un petit peu attention, sachez gérer votre argent. Voilà. Et voilà, vous voyez. Il y a des lions qui vont faire des radios, peut-être à l'hôpital. Il y a la notion de soins là. Hein. On dirait qu'il y a eu la négligence hein, par rapport. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été très inspiré au niveau du professionnel et moins dans le sentimental. Donc, moi, j'ai quand même le côté alcool aussi. Hein. Il y a peut-être des lions qui sont partis dans le côté alcool aussi. Il faut faire attention à ça. En tout cas, on ne sait pas gérer l'argent. Hein. En tout cas, l'argent, on dirait que c'est un panier percé. Quoi. Voilà. Alors, voilà. Et ça correspond à des hommes, hein, des hommes lions. Pourquoi je veux taureau, là je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des taureaux autour de vous, j'arrête pas de penser aux taureaux. Allez, on regarde ce qui se... Voilà, sacrifice par rapport à l'argent. Hein. Faut faire attention, hein, vous travaillez trop pour gagner peut-être plus parce que vous avez peut-être un peu le panier percé. Donc, attention, méfiez-vous par rapport à ça. D'accord ? Ensuite, ouais... Il y a l'amour qui est là, le sacrifice. Alors, on dit qu'on va tenter quelque chose avec quelqu'un de plus jeune que soi. Donc, nouvelle relation qui arrive. Ouais. Bon, on parle de cohabitation quand même là. Donc, aucune relation sexuelle avec cette personne. On vit avec elle malgré tout parce qu'il y a un attrait financier. Donc, il y a bien une cohabitation. Mais on ne se communique plus, la communication est invivable. Hein. Voilà. Il faut arrêter d'être dans l'illusion. Donc, pour moi, ce février, il faut quand même faire un petit peu attention au niveau quand même des finances et aussi d'un déplacement. Donc, les trois mots d'ordre seraient nouvelle relation, nouvel amour, faire attention dans vos déplacements et faire attention à vos finances. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes lions. Je vous souhaite un très très bon mois de février. Et je vous dis au mois de mars pour votre tirage. À bientôt et merci. Bisous.